Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On commence les vidéos sur la Red Zone version globale. Donc comme d'habitude dans ce type de vidéo, première partie, je vais vous donner quelques conseils. Deuxième partie, il y aura des gameplays, il y en aura, voilà, il y en aura plusieurs. Il y aura des teams un peu farfelus, des teams un peu plus fortes, des teams un peu moins fortes. Vous verrez ça, vous avez dans la description, enfin même pas dans la description, mais sur la barre de la vidéo, vous avez les différents timecodes hein, avec les noms des teams. Je sais pas, je mettrai des trucs pour histoire de comprendre à peu près le délire. Et donc vous regardez ce que vous souhaitez regarder les gars, c'est comme vous voulez, regardez tout, un gameplay, deux gameplays, c'est à vous de voir. Alors, on commence tout de suite avec le premier boss, Legic, hein, qui est clairement le boss le plus facile. Et ça pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule phase. Une seule phase est due donc forcément d'un seul type. Donc évidemment, tu peux partir à contre-type et ça se passera globalement très bien. Alors après, vous pouvez pas associer avec des teams neutres. Hein. Vous pouvez jouer les nouveaux LR, vous pouvez jouer Commando Ginyu, Majin. Enfin, voilà, vous pouvez le démonter à peu près ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi passer monotype tranquillement avec des teams pas forcément incroyables. Vu que vous avez l'avantage, ça se passera plutôt bien. Le boss a quasiment 24 millions d'HP. La valeur d'attaque, c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien vers ce thread si vous voulez le regarder pour les autres boss. Mais voilà, on a les valeurs du boss et ça c'est assez intéressant. Attaque, donc les auto-attaques à 200k, donc c'est des valeurs de rush actuelles hein, quand même, hein, donc c'est pas rien, mais aujourd'hui ça va, c'est pas vraiment un problème. Sa défense, hein, d'ailleurs sa défense ça permet de mettre en évidence un fait, quand je vous dis que la def elle sert à rien, enfin quand je vous dis que réduire la def ça sert à rien, regardez typiquement ici le boss il a 65 000 de def, ça veut dire que même si vous réduisez sa def à 0, bah, vos dégâts vont augmenter de 65 000, ce qui est totalement dérisoire, évidemment. Donc c'est pour ça que ça sert quasiment à rien. L'aspect tape quand même 500 000, donc voilà, ça va, mais quand même, voilà, une spé de rush, hein, en somme, hein, pour faire simple. Vous avez même les chances de spé par tour, etc. Le nombre d'attaques. Il a également une réduction, on a la réduction de dégâts aussi, en hein, 62%, et les chances d'esquive à 5%. Voilà, il peut esquiver le boss. Il vous empêche pas d'esquiver. On peut rien lui faire. Pas de stun, pas de blocage, pas de debuff. On peut rien faire. Voilà, donc le boss, il n'est pas spécialement compliqué, hein, en soi, il meurt quand même assez vite. Et alors là, vous avez vraiment toutes les possibilités pour le gérer, encore une fois, monotype, pas monotype, il n'y a aucun problème. Voilà, bon bah sur, voilà, pour ce boss, les amis, on va enchaîner directement avec les gameplays, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est quand même assez simple, évidemment, sur les boss les plus difficiles, il y aura plus de choses à dire et à vous conseiller, parce que là, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Allez, on passe au gameplay. Alors, let's go, allez, let's go pour ce premier gameplay. Ouah, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça va bien se passer. Oh, pas le lien distant. Pas lien distant, mais... Mais c'est pas grave. Ouais, moi, c'est clair. Ouais. Végétaux qu'on va gentiment dégager. Est-ce qu'il va esquiver, les gars? Est-ce qu'il esquive, à votre avis? La réponse, soon. On va voir ça rapidement. Allez, Végéto, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Vas-y, frérot. Ah ouais, j'aurais dû mettre l'option, il meurt sur l'aspect, mais... Non, mais non, même comme ça, il serait pas mort, mais... On a l'avantage, les gars, donc il n'y a pas de problème. Allez, Goku Ange qui part quand même à 3,7 millions, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on tank? On tank les autos, ouais, quand même. Heureusement, j'ai envie de dire. L'aspect sur Goku. 100k quand même. Hein. 100k quand même, les gars. Attention. C'est le zéro. C'est le zéro. Eh oui. Eh oui. Waouh.
Goku SSJ 3, 178 KDF, je suis ému. Je suis ému. Franchement, bon, merci Krilin, mais... incroyable, Goku SSJ 3. Oh, est-ce que je fais la SP ultime? Ah, c'est chaud. C'est risqué, les gars, quand même. En vrai, c'est tentant, mais... mais je vais me faire démonter. Il a combien de Krilin, 121? Ou alors, attends. Attends, Krilin, il a 121. Ouais, mais non, mais bref. Bon, écoutez, ok. Les gars, on tente le coup. En god coup, bon, il a pas d'attaque à encaisser, on s'en fout. Les gars, on tente le coup, attention. Ok. 5 millions 6. Oh, l'additionnel. Ah, dommage. Ah, non, arrêtez. Ah là 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 là, vivement le ZLR, quand même. On va être aux portes de la mort quand même, non? Ouais. Mais ça passe. Bon bah écoutez, voilà pour cette petite game. Bon bah ok, pas mal Goku SSJ 3, lol. Incroyable. Mais non, ils vont pas garder le malus. Mais non. Bon bah let's go hein. Ça devrait bien se passer, mais... ça devrait quoi. Ok, Predator. Putain, double Végéto. Putain, Gogeta en dernier, oh là là. Ah, ça va être un peu chaud cette histoire. Alors, qui est le meilleur entre Végéto ZTUR et Végéto LR? Je crois que la réponse est vite trouvée. Super. On peut le debuff? Non, pas bon. Non, on peut pas le debuff. Oh là là. Mais non, mais pas direct. Y'a pas de prédiction. Bah si, mais c'est juste qu'elle a duré 30 secondes, je crois. Bon, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ouais, c'est ok, ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. En vrai, ça devrait. Enfin, je sais pas. je sais pas. Non, je sais pas. Ouais, mais c'est tout, vas-y, bouge ton cul là. Voilà, allez. Allez, bébé tech là, bouge-toi là. Oh là là. Le bonbon, on esquive, hein. On esquive, non, j'avoue, la team elle est nulle, mais ça passe, les gars, ça passe. Le bonbon, t'esquive pas. Il annule pas l'esquive, hein, les Jik. Hein. Enfin, je crois pas. Ah non, c'était écrit qu'il peut esquiver lui. Geto. Et what? Bah, attendez, mais. Ah non, ouais, non, j'ai juste pas de chance, ok, d'accord. J'ai juste pas de chance, on est d'accord. La merde, Gogeta, c'est tour 4, hein. Et non, mon meilleur personnage arrive en dernier, forcément, ça aide pas, les gars.
Ah bon, ce qui est bien, c'est comme il vient de spé. Ah, mais. Ouais. Ouais, ça craint un peu quand même là. Hein. Mais bon, si j'item maintenant, vu les PV qu'il a. En vrai, Végéto va buffer l'autre Végéto. Let's go! Végéto tech! Le double buff! Le double buff, les gars! Double buff! Pour les alliés! Incroyable! Allez, Gogeta, Gogeta, go, 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 go! Encore, encore, voilà, vas-y, vas-y, frérot! Vas-y, mon frérot! Let's go! La triple? Non. Végéto, tu esquives, hein. Végéto, tu esquives. Non! Mais. Mais les gars, mais il esquive jamais! C'est quoi ce tas de merde, là? Bon, les gars, c'est gagné, en vrai. Ouais les gars, c'est gagné. Mais oui monsieur. Oula. Oui mais oui. Le bonbon, les gros dégâts, attention. Ça tape très fort, attention, préparez-vous. Waouh. 1 million 4. Mais quand même. Ok VBTech, qu'est-ce que VBTech fait le kill? VBTech. VBTech le kill. Fais-moi rêver. VBTech le kill. Champion. VBTech le kill. Oh là 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 là. Allez, let's go, la team univers 7. Ouais. Super, j'ai pas l'aspect ultime. Prédiction. Bon, on y va. Allez, Goku Freezer. Ouais. Ok, la double spé. Ok. Allez, Migaté. Ça... Non, mais il y a moyen. C'est juste que si on n'a pas de chance... Bon, voilà, non, mais... Migaté, 70% d'esquive. On est là. Hein. On est là, frérot. Voilà mon frérot. Mais je t'avoue, s'il prend pas l'aspect sur la première attaque, normalement ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. Allez, l'aspect additionnel. Le critique garanti. Triple spé. Non. Aïe 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 aïe. Ça va, ça va, ça va. Heureusement qu'il a pu stack un peu la réduction, donc. Mais ça va. On va en profiter là, on sait qu'il va pas se payer devant. C'est pas mal quand même, hein, vu qu'il est extrême. Ça devrait aller là, ouais, ça devrait aller, mais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais.
Bon, les végétaux évolution, il faut faire un maximum d'attaque spé, hein. Enfin, deux, quoi. Deuxième. Ça va être chaud, là, quand même. Obligato, on esquive. Il y a une seule attaque, frérot. Une seule attaque. Allez, go. Ok, d'accord. Ok, mais tu esquives. Hein. C'est dans le contrat. Hein. Bon, c'est pas grave, t'es pardonné. Bon, bah écoutez. Là, c'est trop risqué, c'est vraiment. Parce qu'en fait, Goku Freezer, il va prendre je sais pas combien en auto. C'est mort. Je peux pas, les gars. Je suis obligé. Je veux dire, des fois, je prends des risques. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, bon, ça dépend de la team. Des fois, la team est tellement nulle que je suis obligé de full item, comme tout à l'heure. Mais sinon, je prends des risques. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Si je suis surpassé en full item, j'essaye de faire un truc un peu pré-fun pour les prédictions. Mais là, je suis mort. Là, je suis mort à 100%. Je suis mort, quoi. Et si je vais migater, s'il esquive pas, je suis mort. Tu vois, c'est. Là, c'est une situation où je suis quasiment mort. Alors, ce qu'on va faire. Parce que si je laisse Goku Freezer, c'est sûr que j'étais mort. C'est sûr. Avec les autos. Sachant que Goku Freezer, il a pas une def de dingue. Hein, c'est sûr que j'allais crever. On va mettre Migaté. Et on va voir ce qui se passe. Pour voir si jamais on a mis l'item pour rien. On verra. On va voir. Bon, là, on n'aurait pas pris tant que ça. Hein. C'est là la réponse. Dans tous les cas, comme ça, au moins, c'est clair, on n'était pas mort. Dans tous les cas, ça passait. Gâté a esquivé l'aspect. Dans tous les cas, ça passait. Bon, allez, Gâté, puis, est-ce qu'il fait le kill? Je ne sais pas. Bon, allez. Ciao, ciao. Oui, non, mais arrêtez, il y a des puissances. De toute façon, ils ont autant d'esquives l'un que l'autre. Hein. Allez, ciao, ciao. Bon, bah voilà, pas mal.